Le soutien aux associations, c'est vraiment pour moi un travail quotidien, un petit travail de fourmi qui demande déjà dans un premier temps d'être réactif. Moi, c'est l'avantage que j'ai dans ma ligue, c'est que bah, on a un salarié, je suis salarié de la ligue. Et du coup, bah, contrairement à une ligue qui n'a que des bénévoles, j'ai cet avantage-là de pouvoir être réactif, d'être à l'écoute des besoins et des demandes de mes associations et de pouvoir y répondre rapidement. Et si jamais je ne suis pas en mesure d'aider mes associations, mon rôle, c'est aussi de les orienter vers des organismes qui seraient plus à même de les aider et de les accompagner, comme le GDOS par exemple. Donc l'idée sur ce thème-là, c'était de vous présenter différentes formes de soutien que nous, on peut apporter dans la Ligue Centre à nos associations. Bien évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Chaque ligue va accompagner ses associations différemment, à la hauteur de ses moyens. Je ne dis pas que nous, ce qu'on fait, c'est parfait, loin de là. Sûrement d'autres ligues qui fonctionnent différemment et qui le font au moins aussi efficacement que nous. Mais l'idée, voilà, c'était de pouvoir vous montrer un petit peu ce que nous, on fait dans la région Centre-Val de Loire avec nos associations pour les aider au quotidien. Donc le premier type de soutien qu'on apporte à nos associations, c'est d'essayer de leur donner davantage de moyens financiers. Une association, bah, c'est le nerf de la guerre, hein, pour pouvoir se développer, elle a besoin d'argent. Donc nous, on peut les aider déjà sur les dossiers de subvention. On verra un petit peu plus en détail tout à l'heure lors du thème de la recherche des partenaires, ce qu'est une subvention, comment on la demande, etc. En tout cas, nous, on peut les aider là-dessus, que ce soit sur l'aide à la rédaction du dossier, que ce soit pour construire le projet associatif, pour leur rappeler les différentes subventions possibles en fonction de leur projet, ou tout simplement pour leur dire attention, n'oubliez pas, à telle date, il faut rendre tel dossier de subvention. On peut les aider aussi sur les recherches de partenaires privés, pareil, on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure, en leur apportant des connaissances sur le mécénat et le sponsoring, en les accompagnant sur la création de leur dossier de partenariat, en les accompagnant lorsqu'ils rencontrent des entreprises, etc. Et on peut aussi directement les aider financièrement sur des actions précises. Par exemple, on prend en charge une partie des formations, on prend aussi en charge des frais de déplacement et d'hébergement sur les championnats de France jeunes. Et on peut aussi participer financièrement, par exemple pour de l'allocation des cours ou l'indemnisation des éducateurs, sur des animations ciblées, par exemple sur le handicap, sur le squash social, etc. Des animations sur lesquelles nous, on va aussi être capable d'aller chercher des finances. Au-delà des moyens financiers, on a aussi des outils, nous, au niveau de la Ligue, qui peuvent servir à nos associations au quotidien dans leurs projets de développement. On a par exemple 2 structures gonflables. Je pense que vous connaissez un petit peu l'outil, vous avez sûrement déjà dû le voir. Nous, aujourd'hui, on en a 2 qu'on met à disposition de nos associations à des tarifs très préférentiels. Avant, on les mettait à disposition gratuitement, mais comme on a eu certaines dégradations, on est obligé aujourd'hui de mettre un tarif de location pour responsabiliser nos associations. Mais bon, ça reste un tarif très préférentiel. On met aussi en place des achats groupés de matériel pour avoir des tarifs qui soient justement plus préférentiels pour l'ensemble de nos assos. Par exemple, il y a 2 ans, on a acheté des kits mini-squash à la fédération. On a fait, nous, une demande de subvention à la région. Donc, on a pu avoir une subvention plus importante que si nos associations avaient fait ça de leur côté. Et derrière, on a partagé le matériel entre les différentes associations. Ça nous permet de mutualiser un petit peu ces moyens matériels sur différents clubs, différentes associations. On a fait la même chose avec des véhicules. On a acheté 2 véhicules de ligue et un lance-balles notamment. Donc là, pareil, on a eu 60% qui ont été pris en charge par la région. Et on les met ensuite à disposition des associations. Chose qu'ils ne pourraient pas avoir si, s'ils le faisaient tout seuls de leur côté. Autre type de soutien qu'on peut apporter aussi, c'est un soutien humain. Aujourd'hui, vous le savez, hein, le bénévolat, ça a aussi certaines limites. À un moment donné, si on veut se développer, il faut pouvoir créer des emplois pour aller plus loin. Donc nous, ce qu'on a souhaité mettre en place, un des premiers rôles que j'ai eu moi quand je suis arrivé à la Ligue, c'était d'accompagner des associations dans la création d'emplois. Donc c'est passé par différentes formes. Aide à la rédaction des projets, comment créer un projet associatif, définir les besoins, définir le besoin de l'éducateur futur, les accompagner dans des demandes d'aide à l'emploi, CNDS notamment. Nous, on a la chance aussi en région centre d'avoir un dispositif qui s'appelle Capasso. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est propre à la région. Mais voilà, ce sont différents types d'aide à l'emploi qu'on peut aller chercher en fonction du profil de la personne qu'on va employer à l'avenir. Donc nous, dans la région, ça nous a permis de créer 3 postes d'éducateurs, un à Tours, un à Blois et un à Orléans. On a aussi mis en place des services civiques, mais avant d'avoir un agrément national à la fédération, nous, on a mis en place un agrément régional qui permettait à toutes nos associations de pouvoir prendre des jeunes en service civique sans avoir de dossier à monter. Et on a également accompagné certaines associations un peu spécifiques, notamment des associations de multisports, qui avaient des besoins un peu particuliers, et du coup, on les a accompagnés pour qu'ils puissent prendre eux aussi des jeunes en service civique. Au total, on en a accueilli un peu plus d'une vingtaine sur les 4 dernières années. Autre forme de soutien humain qu'on peut apporter aussi, bah, c'est en mettant à disposition des personnes pour accompagner les associations en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être moi directement. J'ai fait des choses diverses et variées pour les clubs et associations. J'ai fait de l'accueil dans les clubs, le juge arbitrage sur l'organisation de compétitions, aide à la rédaction des dossiers, aide à la rédaction du projet associatif, création des supports de communication. On peut mettre à disposition un éducateur pour organiser des stages, etc. C'est des exemples, mais ça montre voilà, qu'on peut proposer des choses très diverses en fonction des besoins et des demandes des associations. Et enfin, dernière forme de soutien humain qu'on peut apporter, bah, c'est tout simplement par l'intermédiaire des formations pour pouvoir apporter des compétences supplémentaires au sein des associations. Après, pour tout ce qui est toujours travail au quotidien, bah, ça va être une information très régulière qu'on va avoir auprès de nos associations. Alors, ça peut être information sur des choses très larges, les informer, bah, par exemple, en début de saison, des évolutions fédérales, des évolutions du règlement sportif, mais aussi les informer tout au long de la saison, des compétitions et des animations qu'on va avoir sur la région, par exemple. Nous, on a défini 2 grands rendez-vous annuels avec nos associations. On a une réunion d'infos en début de saison, pour lancer la saison, pour reprendre contact, échanger avec l'ensemble des dirigeants, et aussi pour les informer de toute la politique que la Ligue va mettre en place sur la saison et tous les événements importants qu'il y aura. Et deuxième grand rendez-vous important, c'est l'Assemblée Générale du mois de janvier, où là on fait plutôt le bilan de l'année écoulée, bilan moral, bilan financier, etc. On a mis en place, depuis que je suis arrivé, donc depuis 4-5 ans maintenant, un site internet et une page Facebook, qui sont actualisés très régulièrement pour tenir informé l'ensemble des associations, que ce soit les joueurs, les dirigeants, de tout ce qui se passe dans le squash et dans notre région en particulier. Et on a aussi créé une boîte à outils sur notre site, où l'idée c'est que les joueurs, les dirigeants puissent retrouver toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin. Évidemment, il n'y a pas tout, mais on a essayé de faire une vraie base de données pour qu'ils puissent avoir accès à un maximum d'informations sans avoir forcément besoin de passer par nous. C'est un site internet où en fait il y a plein d'informations à disposition des différents membres de l'association, donc avec des informations sur le rôle du bureau, du trésorier, du secrétaire, le guide du bénévolat, des informations sur les assurances, comment construire un projet, financer son association, recruter, organiser un événement, des éléments pour faire de la communication. Donc c'est toute la boîte à outils dont parlait Florian tout à l'heure, et donc qui a pour but d'accompagner les associations dans leur démarche, plutôt, on va dire, administrative, pour se développer en fait, parce que l'objectif d'une association, si elle se développe pas, et ben elle vit pas. Donc c'est important qu'elle puisse se développer pour être dynamique. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir une communication très régulière entre la Ligue et l'ensemble des associations, pour que les informations elles circulent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc bah, on met plein de choses en place, hein. On essaye de faire des réunions assez régulièrement, on les informe par des comptes rendus, on leur envoie énormément d'informations ciblées par email, mais aussi voilà, en passant des coups de téléphone, en se déplaçant dans les clubs, en rencontrant les interlocuteurs. Ça fait partie d'une communication globale auprès de nos associations. L'accompagnement des associations, je vous l'ai dit, ça peut prendre différentes formes en fonction des besoins des associations. J'ai essayé d'en lister quelques-unes. Ce qui est récurrent suivant les associations et chaque année, c'est qu'on les aide dans le suivi des licences, les conventions clubs affiliés. Donc sur les licences, à chaque fois, c'est en début de saison, leur rappeler comment se passe la prise de licence, l'affiliation sur la base de données, des choses comme ça, et puis répondre à toutes leurs demandes, parce qu'ils ont toujours des questions sur les certificats médicaux, comment transformer une licence PASS en licence fédérale, etc., des petites choses comme ça. Après, ça peut être l'aide sur l'organisation de compétition, par exemple en mettant à disposition un juge-arbitre, mais aussi en assurant la communication de l'événement, en diffusant l'affiche, en faisant parler de l'événement tout simplement. Un de nos points aussi très importants, c'est d'assurer le lien entre nos associations et les différentes institutions qui gravitent autour, que ce soit la fédération, le conseil régional et les conseils départementaux, la direction régionale et les directions départementales, le CROS, les GDOS, etc. Autre forme d'accompagnement, c'est tout ce qui va être dans leur projet de développement. Donc effectivement, ça peut être une aide à la construction du projet associatif, mais d'une manière plus large, voilà, c'est les aider déjà à faire un état des lieux au départ, à savoir où ils veulent aller, formaliser leur projet, budgétiser leurs actions, etc. Et enfin, le dernier type d'aide d'accompagnement que j'ai listé là, c'est directement, pour nous, Ligue, mettre en place des animations régionales afin de créer du lien et des échanges entre les clubs et les associations. On se rend compte que souvent, les associations, elles travaillent un petit peu dans leur coin et on n'a pas assez d'actions communes où les joueurs, les dirigeants vont pouvoir être regroupés, échanger, partager leurs expériences et du coup avancer derrière ensemble. Donc j'ai listé quelques animations qui fonctionnent bien, nous, dans la région. Un championnat par équipe, bon, ça, il y en a partout. C'est vrai que chez nous, ça marche plutôt bien. On a une 50aine d'équipes. Ça tourne pas mal et le nombre d'équipes augmente d'année en année. C'est un très bon moyen derrière de garder les compétiteurs et de générer de la cohésion entre les assos. On a mis en place aussi différents types de challenges. On a mis en place un challenge dans le département d'Indre-et-Loire, parce qu'on a plusieurs clubs qui sont assez proches géographiquement. Et du coup, on a créé une compétition où ce sont les joueurs qui fixent directement entre eux la date et le lieu de leur match. Donc, c'est par des sessions qui durent sur plusieurs mois. C'est un peu un mix entre Team Squash et Squash Pool, mais homologué. On a aussi créé un Open Challenge de fin de saison, où l'idée, c'est de rassembler toutes nos associations, de mettre en place des tableaux à la fois adultes, hommes et femmes, et des tableaux jeunes par catégorie, où en fait, chaque joueur, par son résultat individuel, va faire gagner des points à son association, a fait un bilan du nombre de points acquis par association, et on récompense les associations comme ça. Et on en profite de ce gros tournoi de fin de saison pour remettre toutes les récompenses de la saison. Donc c'est un petit peu notre point d'orgue de la saison sportive. Et on a aussi des temps de regroupement, que ce soit pour les jeunes et les éducateurs dans la saison, pour qu'on puisse justement rassembler à la fois les jeunes et les éducateurs et faire partager leurs expériences. Pour finir sur l'aide aux associations, je voulais cibler un petit peu l'aide particulière qu'on apporte aux nouvelles associations, notamment aider à la création d'associations dans les clubs qui n'ont pas encore d'association, soit parce que c'est des clubs qui étaient hors système fédéral depuis un moment, soit parce que c'est des clubs qui viennent de se monter. Dans tous les cas, souvent, ils sont demandeurs d'aide à la création d'associations. Une fois l'association créée avec nous ou sans nous, on peut les accompagner aussi au démarrage de l'association en leur proposant différentes possibilités d'animation, en échangeant avec eux aussi sur l'affiliation, sur la convention club affilié, etc. On montre un petit peu tout ce que peut leur apporter la fédération d'une part, et nous, la Ligue, directement sur le terrain. Et enfin, point qui nous semble très important aussi, c'est d'aider nos associations à la mise en place d'une école de squash, donc que ce soit en formant les éducateurs, en apportant un soutien pour l'acquisition de matériel, et aussi en les aidant, en les conseillant, que ce soit sur la communication, sur comment aller rechercher des jeunes, participer aux forums des associations, etc. Alors moi, j'aurais une première question à te poser, Florian. Tu as parlé donc dans ta présentation d'aide à la construction du projet associatif. Je voudrais savoir quels sont les éléments importants du projet associatif que toi, tu essayes de mettre en avant quand tu les accompagnes dans l'aide à la construction de ces projets. Et puis, si eux, ils ont des demandes particulières par rapport à la construction de ce projet associatif. Déjà, le premier point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour savoir où on veut aller quand on est une association, pour savoir comment on veut se développer, c'est indispensable d'avoir un projet associatif qui soit bien rédigé et qui soit partagé à l'ensemble des membres de son association. En plus, aujourd'hui, quand on veut aller solliciter de l'argent, on verra tout à l'heure dans la recherche des partenaires, mais un projet associatif, c'est indispensable. Moi, quand je suis arrivé à la Ligue, il y avait beaucoup d'associations qui, n'avaient pas de projet associatif soit rédigé et qui n'avaient pas forcément conscience de l'intérêt de ce projet associatif. En fait, le projet associatif, c'est vraiment un document qui va permettre à l'association de savoir où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire faire un bon état des lieux de qui nous sommes aujourd'hui et savoir où est-ce qu'on veut aller à moyen long terme. Souvent, c'est sur 4 ans. Donc, quels sont nos objectifs et comment on va y arriver? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 4 ans? Quels sont les moyens dont on a besoin? Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels pour pouvoir arriver aux objectifs que l'on s'est fixés. Donc moi, dans l'accompagnement des associations, c'est déjà de les aider à faire leur état des lieux, en me déplaçant dans le club, en allant voir un petit peu leur fonctionnement, et ensuite les aider à formaliser ces objectifs. Très souvent, les associations, elles savent où elles veulent aller, mais elles ne sont pas forcément capables de le mettre par écrit. Souvent, c'est ça le problème, et souvent, c'est là où on va pouvoir leur apporter une aide. C'est vraiment dans la rédaction de ce document. Aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir construire un projet associatif. Mais souvent, les associations n'en ont pas forcément connaissance. Du coup, on va pouvoir leur montrer les outils qui existent pour pouvoir justement rédiger ce projet. Est-ce que ça répond? Oui, tu dis qu'elles savent, les associations, elles savent où elles veulent aller. Moi, j'ai une petite interrogation par rapport à ça, c'est que une association, c'est un regroupement de personnes ayant un but commun. Est-ce que toujours, dans ta ligue, les associations, ce but commun, il est clairement défini et il est clairement partagé, en tout cas, dans l'association? Non, pas toujours. Non, non, pas toujours. Quand je dis souvent, ils savent où ils veulent aller, c'est qu'ils connaissent les grandes lignes. Souvent, ils partagent les grandes lignes de ce qu'ils veulent faire quand même. Pratiquer le squash. Pardon? Développer la pratique du squash. Voilà, exactement. Après, en détail, effectivement, c'est pas toujours très clair. Et surtout, c'est pas toujours forcément partagé entre les membres. Et c'est là où on va essayer d'insister aussi, c'est de faire en sorte que ce projet soit bien conçu, bien pensé, bien rédigé, et surtout derrière, bien partagé. Il soit rédigé entre l'ensemble des personnes et que derrière, il soit partagé à tous les membres. Et dans ton processus d'accompagnement, tu assistes à des comités directeurs d'associations, tu assistes à des réunions de ce type ou non? Ça arrive, oui. Oui, oui, ça arrive. Ouais, ouais. Il y a des associations qui nous demandent d'être présents. Des fois, c'est nous qui leur proposons parce qu'on sait qu'à telle date, ils ont telle réunion. Mais on a vraiment des associations qui sont demandeuses d'accompagnement et du coup qu'on soit présent. Ces associations qui sont demandeuses, généralement, elles sont demandeuses de quoi à ce sujet-là? Bah, dans les réunions, tu veux dire? Oui, demandeuses de quoi par rapport à toi? C'est-à-dire que est-ce que elles attendent pendant ces réunions que tu leur clarifies le projet, que tu leur présentes l'état des lieux? Concrètement, quelles sont leurs demandes, on va dire, principales? C'est surtout que je clarifie au départ, effectivement, comment je conçois le projet associatif. Après, encore une fois, chaque association peut avoir des demandes complètement différentes, donc je ne vais pas généraliser et dire qu'elles me demandent toutes la même chose. Généralement, ça a plutôt été vraiment au départ de leur expliquer comment on rédige ce projet associatif, à quoi il sert. Je ne fais pas l'état des lieux à leur place. Pour moi, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je peux les aider à se poser les bonnes questions pour arriver à faire cet état des lieux. Derrière, j'essaye plutôt de les interroger sur justement qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quel budget vous voulez y consacrer, etc. C'est plutôt de leur donner des pistes pour qu'eux soient capables de formaliser ce projet. Le but, c'est pas de le faire à leur place, ça n'aurait aucun sens. C'est Greg, il y a un truc qui déjà à la source m'interpelle, c'est ton statut au sein de la Ligue. Tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place est forcément possible parce que tu travailles à 100% de ton temps pour ça. Oui. Et de ce fait, ça a un coût. Ça a un coût pour la Ligue et la Ligue prend en charge l'intégralité de tes salaires ou de tes rémunérations. Oui. Et ce qui veut dire que ton emploi, il a été créé parce que la Ligue avait ressenti le besoin de se développer et avait mis en place tout ce qu'il fallait en amont pour pouvoir accueillir cette charge, ou ça s'est fait plus toi, tu es arrivé en disant mais voilà, moi je pourrais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu les deux. Au départ, il y avait une volonté effectivement de mon bureau et notamment de mon président qui a beaucoup cru en ce projet au départ. Il y a eu une volonté de recruter un agent de développement parce qu'il pensait que c'était la solution pour pouvoir développer l'activité squash dans la région centre. Si on a pu mettre en place mon poste, c'est grâce à des contrats aidés au départ. Nous, on a eu la chance de bénéficier d'un emploi CNDS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le CNDS, c'est une subvention de l'État. Et il y a notamment une aide à l'emploi qui est possible. Donc moi, j'ai eu une aide à l'emploi de 34 000 € sur 4 ans et qui a été cumulée avec une autre aide à l'emploi qui est spécifique à la région centre, le dispositif Capasso. Donc ce qui fait qu'avec les deux aides cumulées, on a eu 66 000 € de pris en charge sur mes 4 premières années de contrat. Donc c'est certain que sans ces aides à l'emploi, le poste n'aurait pas pu être créé au départ. Maintenant, moi, la Ligue m'a dit, voilà, nous, on souhaiterait avoir un agent de développement. On n'a pas le temps de mettre en place ces contrats aidés. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont pris pendant 4 ou 5 mois en CDD. Et pendant ces 4-5 mois, j'ai travaillé sur deux choses. La première, c'était la création du site internet et de la boîte à outils que Nicolas vous a montré tout à l'heure. Et en parallèle, de monter les différentes aides à l'emploi. Voilà, je l'ai fait, ça a fonctionné, on a eu ces aides à l'emploi. Et mon poste était parti comme ça dans la foulée. Donc au départ, c'est certain qu'on avait une vision un peu à court terme poste, parce qu'on se disait, voilà, on a une vue sur 4 ans. Maintenant, au bout de 4 ans, on doit être capable de pérenniser le poste et donc d'être capable d'aller chercher des finances pour pouvoir garder le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc là, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis en poste à la Ligue, donc c'est qu'aujourd'hui, ça se passe bien et on a été capable de, non seulement d'avoir des aides à l'emploi au départ, mais ensuite de pouvoir générer des fonds par le développement de l'activité et par le fait qu'on a été chercher différents types de financement qu'on n'avait pas avant. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure dans la recherche de partenariat. Mais voilà, aujourd'hui, on a réussi à monter ce poste et surtout à le garder pour l'instant. Donc du coup, tout ce que tu mets en place et tout ce que tu proposes en termes d'aide et d'accompagnement pour les assos, c'est des choses que tu fais ou que vous avez fait vous-même en amont pour la Ligue. Oui, en tout cas, sur la création, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la création d'emplois, c'est effectivement ce que j'ai fait au départ pour mon poste à moi. Et comme ça a bien fonctionné, du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer de le mettre en place sur des associations bien ciblées qui avaient déjà du potentiel, un certain nombre de licenciés, et qui pouvaient avoir besoin justement d'avoir un éducateur salarié pour pouvoir se développer davantage. Et donc, voilà, on les a même plus qu'accompagnés, puisque c'est moi qui ai rédigé l'ensemble des dossiers d'aide à l'emploi pour ces 3 associations-là, parce qu'il n'y avait pas forcément le temps, parce qu'il n'y avait pas forcément les compétences pour pouvoir les faire. Et puis voilà, le fait de l'avoir déjà fait une fois, ça me donnait aussi certains avantages pour redemander des aides. Par rapport aux différentes actions que vous mettez en place au niveau de la Ligue, dans l'accompagnement justement des associations, est-ce que tu pourrais évaluer à peu près quelles sont les actions pour lesquelles les associations sont le plus reconnaissantes, ou en tout cas où elles font le plus de demandes spécifiques par rapport à telles actions? Une qui a forcément été bien accueillie, c'est l'aide à la création d'emplois au départ, puisque ça a quand même permis à 3 clubs d'avoir un éducateur diplômé et salarié, chose qui, pour certaines associations qui souhaitaient mettre en place depuis un moment et qu'ils n'avaient jamais osé se lancer, notamment avec la crainte de ne pas être capable de pérenniser le poste financièrement. Donc ça a forcément été très bien accueilli pour ces trois associations-là. Après, tous ceux qui ont pris des jeunes en service civique, pareil, hein, ça a été très bien accueilli. Après, pour ce qui est des animations dont j'ai parlé après, les animations régionales, ça, c'est vraiment des choses qui, au-delà de plaire à nos associations, plaisent aux compétiteurs, que ce soit l'Open Challenge, le Challenge 37, le championnat par équipe. Ça a vraiment été mis en place. Alors, pas le championnat par équipe, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais pour les 2 autres, c'est vraiment des animations qu'on a créées parce qu'il y avait une demande. C'était une volonté, nous, de Ligue, de pouvoir proposer des animations qui créaient du lien et de la cohésion entre nos assos. Mais voilà, on les a mis en place parce que clairement, il y avait une demande à ce niveau-là. Et depuis que ça a été créé, l'Open Challenge, ça va être la 3e année cette année. Le Challenge 37, c'est la 2e année. Le nombre de participants augmente chaque année et les retours sont de plus en plus positifs. Donc, c'est positif. Voilà, encore une fois, chaque association a des besoins spécifiques. Nous, l'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit le plus large possible pour que justement on puisse coller un peu à toutes les demandes qui nous sont faites. Mais voilà, j'ai des associations qui vont être plus sensibles à l'accompagnement sur le moyen financier, d'autres au contraire qui vont être plus sensibles aux moyens humains parce qu'ils pensent que c'est ça le plus important, d'autres qui vont préférer les animations qu'on propose. Voilà, là, en tout cas, là sur la présentation, tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses qui fonctionnent assez bien chez nous et qui sont appréciées, je pense, par nos associations. Donc, d'où l'intérêt de l'état des lieux et des évaluations diagnostiques de départ avec l'association. Ah bah complètement, complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, la chaîne de développement, il touche encore à la raquette? Alors, moi, je ne suis pas joueur de squash à la base. Ouais. Je suis arrivé dans le squash un petit peu par hasard. En fait, moi, j'ai fait une licence STAPS, un master en management du sport, et c'était lors de mon stage de fin d'études où je suis arrivé par hasard à la Ligue de squash, tout simplement. Voilà, j'ai postulé dans un centre sportif. Le gérant était le vice-président de la Ligue de squash, donc il m'a orienté là. J'ai fait un stage de 3-4 mois, j'ai travaillé sur un projet de CD-ROM à l'époque et ça a bien collé d'un côté et de l'autre. Donc derrière, on m'a proposé de poursuivre par un emploi. Moi, l'idée de départ, en tout cas à la Ligue Centre, c'était que l'agent de développement n'était pas forcément un éducateur de terrain. C'était plutôt une personne qui allait accompagner sur justement tout ce qui était en dehors du cours. Alors évidemment, je me suis mis au terrain aussi un peu par la suite, mais j'ai la chance, moi, dans la région Centre-Val de Loire, d'avoir des éducateurs de terrain qui soient plutôt bons, et ils n'ont pas forcément besoin de moi sur cette partie-là. Donc moi, je vais les aider sur tout ce qui gravite autour du cours, mais sur le terrain, je les laisse gérer. Voilà, moi, j'interviens sur des animations découvertes, sur des regroupements jeunes, mais voilà, je ne suis pas de haut niveau, je ne suis pas... c'est pas mon domaine de compétence. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Florian, c'est qu'effectivement, donc toi, tu n'es pas quelqu'un du terrain, mais effectivement, tu fais toutes les démarches pour, administratives pour pouvoir obtenir des subventions. Et il y a un vrai travail aussi au niveau des associations et des ligues à justement accorder des heures aux éducateurs pour une partie administrative. Et vous, vous devez aussi comprendre que c'est fondamental pour vous d'intégrer du temps administratif dans votre travail. Ce n'est pas simplement pousser la balle qui vous permettra de vivre correctement. Il y a aussi une part administrative qui est fondamentale dans ce poste d'entraîneur, éducateur, formateur de squash, parce que le squash est peu développé aujourd'hui, et que pour se développer, il faut passer du temps administrativement. Et donc, c'est des heures qui doivent être investies de par l'association et de par l'éducateur lui-même pour pouvoir pérenniser son emploi, pour pouvoir mettre en place des actions nouvelles au sein de la structure.